S'il gagne aujourd'hui, c'est sans doute le cheval de Damien. Il s'élance pour la troisième. Il s'agit du prix Wadba Stallions Cup à Rad Gelos, une épreuve réservée à des chevaux arabes des 4 ans et plus qui s'affrontent sur 2000 mètres avec le grand favori Samla qui va rapidement s'installer aux avant-postes associé à Maxime Guyon. Jean-Kyl Hippolyte, le plus jeune, âgé de 4 ans, est en deuxième position alors qu'à son extérieur se rapproche le numéro 2, Adi de Carrère. Kautar, l'une des pouliches au départ de l'épreuve, l'une des juments, est en quatrième position. Risque tout est à son intérieur. À l'arrière, patiente Ghazi Alzaman, devant également au gard de l'Ardus, le gris, alors que Timaya Alachey est à sa hauteur. À l'arrière-garde, Ghazi Alzaman et au dernier rang, Riska Lotoise, le 7, Kazakh jaune. Le grand favori Samla, qui fait aujourd'hui sa rentrée, tout en découvrant la piste en sable fibré en compétition, a toujours le meilleur. Jean-Kyl Hippolyte est en deuxième position, avec à son extérieur Adi de Carrère. Côté corde, il y a Risque tout, avec également Kautar. Au gard de l'Ardus, le numéro 4, le gris, est toujours à l'arrière, accompagné encore par Timaya Alaché, Ghazi Alzaman et au dernier rang, toujours Risque Lotoise. Le tournant final, avec le favori qui contrôle la course, c'est l'As, Samla. Il va attendre les attaques dans quelques instants. En deuxième position se trouve Jean-Kyl Hippolyte, le numéro 9. À son extérieur se trouve Adi de Carrère, devant le numéro 8, Kautar. À la corde progresse, Risque tout. À son extérieur, le numéro 5, Timaya a lâché, alors que au gard de l'Ardus, un autre gris est patiente toujours à l'arrière, en compagnie de Ghazi Alzaman et du numéro 7, Risque à Lotoise. Ça va bien devant pour le favori Samla, qui a toujours le meilleur et qui attend encore les attaques, alors que derrière, eh bien, Jean-Kyl Hippolyte, le numéro 9, semble avoir du gaz également. Il sort de son sillage en troisième position. Il y a Adi de Carrère. Moment choisi également par Kautar, mais également le numéro 4 au gard de l'Ardus pour prononcer leur effort à l'extérieur, mais à distance encore de Samla, hein, qui fit un véritable cavalier seul. Maxime Guyon a beau se retourner, eh bien, personne n'est en mesure de contrarier les plans du grand favori Samla, qui s'impose ici l'entraînement de François Rau. Samla qui pose ses jalons pour la suite de la saison. Le numéro 9, Jean-Kyl Hippolyte, montre qu'il est d'un bon niveau, et la troisième place en retrait pour le 6, Risque tout. Il gagne aisément pour sa rentrée. Victoire de l'As Samla, arrivé en chiffre. As, 9, 6. Photographie derrière. Pas prendre de risque. As, 9, 6 et 3, a priori. 4.